Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et moi, je vais pas bien du tout puisque je suis malade. Mais j'ai quand même. Ah, oh, c'est le début de vidéo. Bonjour, ça va? Ça va pas? Oh, je vais crever. Bref, je suis malade, mais ça va, j'ai le moral. Même dans la maladie, il n'y a pas de souci. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente puisqu'aujourd'hui on va tester un jeu qui est sur mobile, donc je pense que la plupart d'entre vous, vous pouvez y avoir accès, qui s'appelle Hotel Hideaway. Hideaway, je crois que ça doit plutôt dire comme ça. Et c'est un jeu qui, jeu ou pas, parce que du coup je vois qu'il y a marqué simulateur de vie sociale et chat. Étant donné que j'ai pas de vie sociale personnellement, je ne sors jamais de chez moi, ça peut être intéressant de tester. Mais on me l'avait conseillé 2-3 fois et je me suis dit, bon, on peut tester, je sais pas, je connais pas le but. Mais écoutez, c'est parti, on va tester ça. Bon, eh bien, écoutez, du coup, bah, j'ai branché mon téléphone. On va voir si ça lagouille pas trop. Parce qu'en fait, j'essaie de passer par des simulateurs pour jouer à ce jeu. Et en fait, bah, peu importe le simulateur, eh bien, ça ne marche pas. Du coup, on est parti sur Hotel Hideaway. Et on va écouter jouer, les amis. Oh, j'ai même la musique. J'espère que vous l'aurez aussi, la musique. Non, je rigole, c'est pas la panthéro du tout. Paramètres de sécurité. M'en bats les steaks, frère. Ok, on est une madame ou un monsieur? Eh bien, on est un monsieur. Non, je déconne, on est une madame. Et on s'appelle... On s'appelle comment? Je vais être bronzée, moi. Ah, il y avait mon petit hashtag. Parfait, maintenant voilà la clé de ta chambre. On se voit par ici. Ok, donc en gros, on a une chambre, c'est ça? Je suis sûre que tu vas adorer rencontrer les merveilleuses personnes qui sont ici. On se voit bientôt. D'accord. Ah mais c'est trop bien, je peux jouer avec ma souris, mon clavier et tout, c'est trop cool. Alors, ma chambre number one, ok. Donc là, vous pouvez voir mon code, 15L, hashtag 47 93 07, donc je sais pas encore à quoi ça va servir. Peut-être que vous pouvez m'ajouter en ami, désolé, je suis en train limite de me rôter dessus, de me vomir dessus tout en vous parlant, c'est tout à fait normal. Et salut la compagnie, tout est prêt pour que le tutoriel commence, mon ami, c'est parti. Bah écoute, vas-y, hein, apprends-moi la vie. Hein. Wow, tu viens de terminer tout seul, la première mission est terminée, regardons la suivante. Ok, saute, échange d'humeur, ok, ah. Ah, ok, d'accord. On va changer d'humeur ensuite. On va être énervé. Mission accomplie. Super saut, je suis impressionnée. Il existe tout un tas de gestes à apprendre dans Hotel Hideaway. Donc on collecte bien évidemment les récompenses. Alors je ne sais absolument pas encore c'est quoi le but du jeu. Bon, c'est le moment d'ajuster ta vue. Prêt? Faisons-le. Si je suis... je suis ici pour aider. Donc si tu as besoin d'aide pour accomplir une mission, tape dessus. Ok. Faire pivoter la caméra. Faire un zoom. Ok. Par contre, sur... là, je suis obligée d'utiliser l'écran de mon téléphone parce qu'en fait, le... La roulotte, je sais pas comment qu'on dit là, le truc il marche pas en fait. Tape sur le portrait de l'avatar pour centrer la caméra. Ok, par contre je suis un petit peu vénère quoi. Waouh, nous avons découvert un photographe d'excellence. Va chercher ta récompense. On va collecter notre récompense. On a fini la première étape, il est temps de s'aventurer, d'explorer le reste de l'hôtel. Ok, je suppose qu'il faut passer par la porte, visite une autre salle. Quelle intelligence. Pour passer d'une pièce à l'autre. Utiliser une porte. Oh là là. Récolte ton cadeau quotidien. Ok, j'ai une... une notification de Pixia en plein milieu de ma vidéo, ça fait plaisir. Récolte ton cadeau quotidien. Ok, c'est là. Récompense quotidienne. Collecte. Parfait. Visite le placard. Le placard de Herman. Ah bon? Ah si c'est des vrais gens, genre si je leur appuie dessus. Ouais, Marie X. Qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, je vais essayer de zoomer. Pourquoi elle se balade, elle a les yeux... Attendez. Célibataire. Si vous cherchez une fille, je suis là. Venez me parler, je ne mange pas. Pareil, pas cas, je mets un cookie, merci d'avance. En cruche sur 100% italien-espagnol. Ok. J'ai un doute sur l'orthographe quand même. En cruche. Oh mon dieu. Par contre, les gens, ils sont plus stylés que moi. Je suis trop moche, moi. Regardez ça. Regardez, elle est trop belle.
week-end, on peut faire des profils plutôt sympathiques. Par contre, on n'a pas de coup, regardez. Ma tête n'est pas collée à mon corps. Bon, je vais dézoomer, ça sera plus simple. Par contre, apparemment, il faut que je trouve un placard. Les gens, ils sont dans leur placard et tout. Parce que moi, j'ai pas pu personnaliser mon personnage, regardez. Ah, quand je clique dessus, elle y va toute seule. Ok. Ah ouais. Herman est le concierge, tu le verras par ici. Ok, on collecte tout. On a passé la troisième étape. Maintenant, il est temps de t'équiper. Laisse-moi te dire qu'à Hideaway, quelques-unes des tenues les plus étonnantes. Ok, ça veut dire quoi? Que je suis moche, c'est ça? Tu dis que je vais me changer? Bon, par contre, je vais changer ça. Je vais mettre genre en mode... Ouais, trop contente. Fais tourner la roue de Taylor. Ouais, mais moi, ils disent qu'il y a des affaires. Oh, regardez, on peut faire des trucs genre... Mais non, moi, je vais m'asseoir comme je m'étais assis tout à l'heure. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici devant? Bon, c'est stylé. On ressort et je suppose qu'il faut aller à un nouvel endroit. Fait tourner la roue de Taylor, ça doit être ça. Taylor of Fortune, ouais. On a 3 lancés. On peut regarder une publicité pour avoir un nouveau lancé. Hop, on tourne. Alors, je sais absolument pas qu'est-ce qu'on peut gagner à cette roue. Je suppose qu'on a des lancés gratuits tous les jours. Oh non, mais je voulais... Non, Oh. Je suppose que j'ai eu un truc pourri, c'est ça? Je veux Piccadilly. Yay. Ah, j'ai reçu un. Ah non, c'est bonus, pourquoi il y avait marqué plus 1? Oh! Ça va avoir un truc plus sympathique, peut-être. Qu'est-ce que je reçois? Cheveux Rivera. Ouais, bon, je préfère ceux avec une étoile, quand même. Hein. Oh, nouvelle couleur de vêtements dans la boutique. Ah, il y a un système de VIP, je suppose. Ou non? Non, il n'y a pas de système de VIP, ça c'est qu'est-ce que je vais gagner au level 3, c'est ça? Nice. Ok. Ok, ok. Bon, je suis quand même allée vérifier sur l'enregistrement si le son n'était pas fort. Bon, il est un petit peu fort. Est-ce que je peux le baisser directement? Pas, genre... Ah, je pense peut-être par là. On va baisser peut-être un petit peu... What? Ok. Non, parce que du coup, j'ai relancé, je fais de la merde. Ok, quoi? 3 lancés? Ok, bah écoutez, moi, je vais pas me plaindre. On va baisser de l'autre côté. Blanc. Alors, j'aimerais bien arriver et tomber sur le truc avec les 4 étoiles et tout. Oh non. Oh non. Ah, des chaussures. Oh, chaussures tout droit, tu vois, c'est clair. Tu sais, les chaussures, quand on demande, oh, tu les as achetées. Bon, tu sais, je les ai trouvées dans une poubelle, hein, t'inquiète. Oh non, trop déçu, je pensais que c'était qu'on allait... Oh, trop déçu. Je pensais qu'on allait s'arrêter sur les 4 étoiles. Béré, ciao, belle, là, bon, bof. Et je reçois des lancers bonus, hein. Moi, je dis pas non, hein. Y'a pas de problème, hein. Oh non. Encore des chaussures. Des mocassins, Marsala. Bon, au moins, ils viennent pas de la poubelle, ceux-là, hein. Allez, on tourne encore. Et moi, tant que je peux avoir des trucs gratuits, moi, je prends, hein. Oh non. À chaque fois, je m'arrête sur les trucs là, fais chier. Je vais tout droit du recycleur. Oui, c'est quel ton coiffeur? Oh, tu sais, c'est celui qui travaille juste à côté de la poubelle. Oh non, je pensais vraiment encore une fois que j'allais m'arrêter sur les 4 étoiles. Aïe aïe aïe. Oh, ça par contre, j'aime bien. Oh, de Cougar. C'est les chemises à carreaux, moi j'adore. J'en ai au moins 4 ou 5 dans mon placard. Finalement, l'été pour que je puisse les remettre. Mais à chaque fois, je reçois des lancers gratuits. Moi, je vais faire ça pendant toute la vie. Oh, allez. Mais sous de ma gueule, en fait, c'est ça? Genre, ils ont fait un zoom en mode ouais, tu vas tomber dessus. Mais non, pas du tout. Oh non, mais ils sont sérieux. Franchement, c'est pas cool de faire ça, les gens. C'est vraiment pas cool. Je montais niveau 3 à force. C'est vraiment pas cool de faire ça. Ouais, mais regardez, c'est n'importe quoi! Il avance et d'un coup il recule! Alors que normalement il devait tomber sur le violet. Chemise Mars à la fun! Ok. On est passé niveau 3, panel des gestes, salle publique. Nouvelle couleur de vêtements dans la boutique, nouvelle couleur de cheveux dans la boutique, bla 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 bla. Ok, écoutez, je me laisse les 3 lancers parce que c'est vrai que je vais passer toute la vidéo à faire des lancers et on va pas comprendre c'est quoi le but du jeu au final. Donc on va continuer la quête et je reviendrai plus tard finir mes lancers si j'arrive pas à les lancer à l'infini. Ok, donc apparemment, The One Mall, ici c'est la boutique. Ok, donc on appuie dessus. On peut acheter, mais je veux changer la couleur, wesh les gars. Le team me demande de l'acheter comme ça, en mode je change pas de couleur. Ok, bah en rose, bien évidemment. Ça, c'est le hockey en dessous, je pense. On va mettre un sort de blanc, gris en dessous. Ou noir, je sais pas. Ouais. Hop. Ou celui-ci va bien. Ah, du jaune. Et ça, c'est... Ouais, ça, on va laisser ça. Je pense que c'est une sorte de lacet. Écoutez, t-shirt en dessous, on va le mettre en blanc aussi. Je trouve que ça va bien. Voilà. Et on achète. De toute façon, ça coûte qu'un seul... Ah, j'ai 4400 pièces, d'accord. Par contre, les... Oh, waouh. Ça, par contre, c'est trop beau. Ça, je me l'achète dès que j'ai 22 000. Mais il faut les avoir, les 22 000. Mais du coup, comment on fait pour gagner de l'argent? Il faut qu'ils nous expliquent. Oh, elle est belle, hein. Bon, bien sûr, je la changerai en couleur, je la mettrai comme ça. On dirait trop dans les animés, dans les mangas et tout, quoi. Regardez, il y a des gens qui parlent et tout, hein. Achète une couleur. Est-ce que j'ai le choix au moins? Non, je peux prendre que celle-ci, parce que les autres, elles coûtent plus cher. Mais ouais, effectivement, on peut acheter des couleurs. Ça, c'est des couleurs de cheveux, je suppose. Donc ça, c'est pour acheter une couleur de vêtements.
Donc on va acheter celui-ci. Écoutez, on n'a pas trop le choix pour le moment. De toute façon, je pense que là, ça nous apprend un petit peu comment ça fonctionne, où est-ce qu'il faut aller pour acheter quoi. Le Tailor of Fortune et le Walmart sont deux façons parmi tant d'autres pour avoir des vêtements. Trouve les autres façons. Ok, donc c'est à moi de trouver ou... Vous allez me dire quand même comment faire. Maintenant, la partie la plus fun. Essayons de nouveaux vêtements. Ok, il faut aller dans le dressing. Ok, ça c'est pour changer. Mais c'est pas celui-là que j'ai acheté, moi je l'ai acheté en rose. Bon, c'est pas grave, de toute manière j'ai reçu ça. Donc on va mettre celui-ci. Quoi, il a une couleur chelou? Ah, mais genre on peut changer directement dans son inventaire la couleur des vêtements. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Comme ça, c'est un truc qui nous plaît, on n'a pas besoin de l'acheter en 4 couleurs différentes. On peut directement changer la couleur d'ici. Ok, on appuie sur ok. Et on est bien comme ça. Attendez, j'ai envie de m'incruster dans la discussion. Coucou, hein. Je suis nouvelle. Hein. Parce qu'elle t'a quoi? Ah, parce qu'elle t'a saoulé. En fait, les gens, ils sont grave dans les bails chelous, tu sais, genre en mode drama, tu sais, amour, gloire et beauté. Moi, je me ramène, coucou. Et la personne qui me calcule, en gros, je suis en mode la tristesse. Personne me calcule. Tout le monde s'en bat les stacks. Pourquoi la chaîne de la casse? Ok. Ah ouais, non mais ils sont... Oh non mais ils sont grave des scènes, les gens, regardez. Ils sont grave des scènes. Par contre, elles sont stylées. Moi aussi, je veux les oreilles d'elfe, là, et la coupe. Par contre, les trois, c'est des jumelles ou ça se passe comment? Non mais en vrai, ils sont grave des scènes, quoi. C'est quoi ton nom, moi, c'est Mira? Elle parle à moi? Moi, c'est Quinzel. Enchantée, avec un smiley. Ok, les trois petits points, c'est pour dire qu'ils sont en train d'écrire. Pourquoi t'as pas pu frapper avec un couteau sur Inès? Non mais grave, ils sont grave des scènes, en fait. Enchantée, Quinzel, c'est ça, oui, c'est ça. Est-ce que genre on peut ajouter les gens en amis et, ou tout ou pas? Genre, si je lui clique dessus. Ça c'est demande d'amitié. On peut demander en amitié. Je suis fâchée parce que comment on sort de la chambre? C'est bon, j'ai envoyé la demande ou pas? Moi aussi je suis au niveau 2 pour le moment. Ok, elle débute elle aussi. Et ben je m'en fous car il traîne toujours avec des filles. Il me laisse tout seul même quand je suis triste. Oh, non mais il y a grave moyen de faire des dramas quoi. Oh regardez, il fait un câlin. Moi aussi, mais je veux faire aussi des câlins. Comment ça fonctionne? La chance, moi je suis encore petite. Bon, ça fait seulement 10-15 minutes que je suis sur le jeu. Hein, Bon, je vais lui dire que je vais continuer à faire mes quêtes. On va personnaliser la couleur de peau. J'espère qu'elle a eu le temps de lire parce qu'en fait j'ai cliqué dessus. Je pensais qu'il y a un truc qui allait s'ouvrir et mon personnage s'est barré en mode... Alors, on peut acheter de nouvelles couleurs de peau, de ce que je comprends. Tu as bon goût, ouais, je sais. Il est temps d'aller chercher ta récompense. Bon, maintenant je vais te montrer comment rendre ton profil plus chaleureux. On va pouvoir changer l'humeur de ton profil. On clique ici. On appuie sur sa sorte de carte d'identité. Introduis ton humeur ici. Écris ta description ici. Alors ici, on va écrire ton humeur. J'aime les pandas roses qui boit le café. J'aime les pandas roses, un truc qui a rien à voir avec mon humeur. Hein. J'aime les pandas roses qui boit le café. Enfin, j'ai commencé au pluriel et je finis au singulier. Qui boit le café. On s'en fout à la limite. Hein. Et mange le Big Mac. Ça, c'est bon. Et la description. À skip, je fais des vidéos. Mais suis-je la vraie? Les gens qui vont regarder mon profil après cette vidéo et qui l'auront pas vu en entier, quand ils vont cliquer ou qui vont me rechercher dans le game, ils vont se dire mais est-ce que c'est vraiment la vraie ou pas? Moi-même, je ne sais pas. Et toi, tu es qui? Et moi, qui suis-je? C'est déjà pas mal. Tu as beaucoup de possibilités pour personnaliser ton profil. Clique sur d'autres personnes pour regarder leur profil et t'en inspirer. Bon boulot, maintenant on va découvrir les vortex. Attention, pendant que je t'explique, trouve un vortex. Bon, j'appuie dessus. Pourquoi les vortex sont toujours partis? Alors, trouve un vortex. Ok, ça c'est les petites boules jaunes, c'est ça? Il faut que j'appuie dessus. Comment c'est extraction du vortex? En fait, il faut que j'appuie là-dessus, c'est ça? Tape pour booster. Bah, c'est simple, en fait. J'ai juste appuyé plein de fois comme une teubée sur mon écran. Ok, butin bonus pour moi. Voilà. Et du coup, ça me donne... En fait, ça donne de l'argent. Les vortex sont les meilleurs moyens de gagner des pièces et des diamants garde-l'œil ouverts pour les voir. Ok, donc en gros, quand vous voyez les petites boules jaunes comme ça, il faut les croquer dessus. Les wickets. Bravo, tout est fait. Voilà la liste des missions quotidiennes. Tu trouveras de nouvelles missions tous les jours. Amuse-toi bien. Merry Christmas. On a des trucs spécialement encore pour Noël. Donc pour ceux qui veulent installer le jeu et encore avoir peut-être la possibilité de gratter des petites choses de Noël. Sachant... Oh, c'est trop mignon ça. Mais ça coûte la peau du cul, j'ai pas autant d'argent. Regardez ça, je veux l'avoir. Le bas plus le haut.
Mais c'est trop bien. Bon, ça coûte des diamants, donc je suppose que les diamants, ça doit être de l'argent réel, donc c'est pas pour moi. En gros, je pense que c'est un jeu un peu à la Movie Star Planet au final. On a un personnage, on peut personnaliser son personnage. Je suppose qu'on peut personnaliser également sa chambre. On peut discuter avec les gens. Ça a l'air d'être plus sociable même que Movie Star Planet, parce qu'on va pas se mentir que les chats dans Movie Star Planet sont complètement vides. Et ici, le but, c'est de gagner de l'argent, de personnaliser son appartement, sa chambre d'hôtel et son avatar et discuter avec d'autres personnes. Je suppose qu'on a des quêtes... non, c'est pas là-dedans. On a des quêtes quotidiennes juste ici, comme par exemple ici. On a mission quotidienne. Donc quotidienne, c'est tous les jours. On a des missions différentes qui nous permettent, je suppose, de gagner quelque chose. Donc je sais pas, là dans la petite boîte, est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce qu'on gagne des petits vêtements? Je ne suis pas trop sûre. On peut aussi, je pense, regarder les publicités au niveau de la roue de la fortune, qui est juste là. Et du coup, regarder des pubs gratuitement pour obtenir encore plus des affaires gratuites. Bah écoutez, moi je vais vous laisser sur ce tournage de roue. Et dites-moi si vous souhaitez plus de... On va regarder ce que c'est, des ailes. C'est... Oh, cape de clan nordique, c'est un truc de Noël, regardez, elle est trop belle. Yay. Waouh. Et on est passé niveau 4. Mais c'est trop bien. J'allais dire, je vous laisse sur ce tournage de roue cette fois-ci pour de bon. Je vous fais de très gros bisous. Et dites-moi juste dans les commentaires si ça vous intéresse des vidéos sur ce jeu ou pas. Dites-le moi. Et moi sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous et ciao ciao.